Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre discussion en direct du mardi. En direct de ma grange, mais en direct de dehors aujourd'hui avec un petit poulailler mobile pour vous parler du sujet du jour. Le coq Cream Leg Bar essaye de m'enterrer, donc je disais qu'on allait parler des prédateurs. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous, bien soir aussi à ceux qui se joignent à nous en différé. On est toujours content de lire vos commentaires par après. Alors, merci d'être avec nous, toujours fidèles au mardi. Tout d'abord, un petit mot pour vous souhaiter une bonne fête du Canada à tous demain, un petit peu à l'avance. Bonsoir Audrey. Donc, un peu à l'avance, bonne fête du Canada à tous. Profitez bien de votre congé, gâtez vos poules et passez du temps en leur compagnie. Et pour fêter l'été, disons, pour fêter le mois de juillet, à partir de demain, on fait une belle promotion tout le mois de juillet de votre produit coup de cœur. Il y a quelques semaines, on a mis en boutique les larves de mouches soldats noirs et vraiment, vous les avez adoptées. C'est un super de beaux produits écologiques, c'est une gâterie pour vos poules, super protéinée, super riche en calcium, un beau format de larves, donc une belle grosseur, pas trop petite, pas trop grosse. Les poules adorent ça, les clients aussi. Donc, on a décidé d'en faire profiter encore plus de gens. Alors, tout le mois de juillet, les larves de mouches soldats noirs vont avoir un 15% de rabais. Autant en boutique en ligne qu'à la boutique ici, aux gens qui viennent chercher leurs commandes à la ferme. Donc, ça commence demain, tout le mois de juillet. 15% de rabais sur toutes les larves de mouches soldats noirs dès que la boutique en ligne sera réactivée. Alors, le sujet de ce soir est très d'actualité ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée avec le renard qu'on a eu sur notre caméra de surveillance. Sinon, je vous invite à aller le voir là, sur mon fil d'actualité là, hier ou avant-hier que j'ai partagé ça. Ou ce matin, peut-être, je ne sais plus. Peut-être ce matin, bref, la vidéo d'un renard qu'on a vu en plein jour. Alors, c'est ce qui m'a inspiré. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler des prédateurs. Je ne sais pas si vous avez vu le vieux film Prédateur des années 80 avec Arnold Schwarzenegger. Là, vous êtes peut-être trop jeune, là. Mais dans ce film-là, on sait qu'il y a un ennemi. Il est là, on le voit pas, il évite les pièges, il est plus fort que tout le monde, il traque. C'est ça, c'est un prédateur. Et ça, il y en a dans nos basses-cours, malheureusement. Lorsqu'on est en régie biologique et plus on veut donner de liberté à nos animaux, eh bien, plus il va y avoir de risques qu'il y ait de la prédation de nos poules. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qui nos prédateurs puis comment essayer de les éviter. D'abord, c'est important de savoir que le risque zéro, ben, ça n'existe pas. Il peut toujours arriver des bad luck, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour réduire le risque d'avoir des prédateurs parce que on aime nos poules, on veut pas se les faire shipper inutilement. Donc, vous avez vu la vidéo avec le renard, donc on est vraiment passé proche de perdre plusieurs poules. Alors, il y a des trucs pour aider à contrer les prédateurs dans nos basses-cours de poules qui sont surtout en liberté. Alors, premièrement, c'est de bien connaître le coq ne me lâchera pas. Premièrement, c'est de bien connaître nos différents prédateurs. Il y en a quand même beaucoup, particulièrement si on est comme ici vraiment en campagne dans le bois. Alors, vous avez vu cette semaine, donc il y a le renard qui est un prédateur naturel des poules. Le renard, il peut creuser, il peut sauter haut et il peut courir très vite. Il est très agile, le renard. Et il peut être actif autant de jour que de nuit. Alors, c'est quand même un prédateur assez complet. Il y a également les moufettes. La moufette, elle creuse beaucoup, donc elle peut creuser très longtemps et elle est vraiment très, très creux. Et c'est un animal, la moufette, qui est particulièrement nocturne. Mais par contre, la moufette va surtout s'attaquer aux œufs seulement, de manière générale. Alors, c'est un prédateur qui est peut-être un peu moins envahissant et menaçant, mais qui est quand même présent. Bonsoir tout le monde qui se joint à nous. Bonsoir, bonsoir. Toujours parmi les prédateurs, il y a la famille des mustélidés, si je ne me trompe pas dans les noms. Donc, les belettes, les visons et les hermines et cette petite catégorie-là d'animaux. Ce sont des animaux qui peuvent creuser et surtout qui peuvent se faufiler. Leur corps est mince, leur corps est long, leur corps s'étire. Alors, ils sont capables vraiment de rentrer dans des interstices. Ils peuvent être de nuit, mais ils peuvent également être de jour. Entre autres, le cas du vison. Le vison, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir en nature. C'est une grosse belette, si on peut dire, en apparence. Très, très noire, très foncée. Et c'est très agressif, un vison. Ça a vraiment une mâchoire très forte. Ça crie. Et vraiment, moi, j'ai vu de mes yeux des visons attraper des canards coureurs indiens en quelques secondes et les amener en dessous de l'eau pour les noyer. Le canard n'a pas pu réagir. Donc, les visons sont quand même des prédateurs assez
assez farouche, donc autant de jour et de nuit. Dans le cas des belettes, un petit peu moins. Par contre, un peu plus petit, la mâchoire est plus petite. Mais le risque est également là. Toujours dans les prédateurs à quatre pattes, il y a les chats domestiques. Et oui, particulièrement les poussins, les canetons, les juvéniles sont à risque de se faire attraper par des chats. On voit mon lapin en arrière, donc qui est une proie. On s'entend très, très, très facile. Alors, on parle de prédateur, on parle pour elle. Je ne sais pas si c'est Patty ou Selma. C'est Selma, mais Patty ne doit pas être loin. Bref, c'est ça. Alors, le chat domestique est un prédateur. Pas toujours votre chat, mais les chats des voisins ou les chats errants peuvent être des prédateurs pour vos animaux de basse-cour. Et également, les chiens. Les chiens sont rapides, ils sont forts, ils peuvent défoncer des clôtures ou des grillages, des trucs comme ça. Ils sont capables de creuser, ils sont vraiment quand même très intelligents et très rapides. Les chiens vont dans l'eau également, on parle des canards, ces choses-là. Il y a beaucoup de chiens qui ont un instinct d'aller chasser les canards. Alors, encore là, si c'est pas votre chien, ben le chien du voisin, le chien d'un visiteur ou quelque chose peuvent être des prédateurs. Peuvent être des prédateurs donc pour vos animaux de basse-cour. Ensuite, il y a des prédateurs qui volent. C'est sûr qu'en ville, ils sont peut-être un peu moins présents, mais dès que vous êtes un peu plus reculé, il y a beaucoup d'oiseaux de proie. Les oiseaux de proie sont évidemment arrivent du ciel, donc c'est un prédateur un peu moins qu'on est un peu moins habitué de voir arriver, si on peut dire. Ils sont très, très forts, les oiseaux de proie. Moi, j'ai vu un poulet de chair de plusieurs livres qui a été soulevé pratiquement à la verticale de son enclos. Alors, les oiseaux de proie sont forts. Ils sont très, très, très rapides. Il y a des espèces nocturnes et des espèces diurnes. Donc, jour et nuit, les prédateurs peuvent être à l'affût de vos animaux. Et même, vraiment, comme je vous disais, vraiment, des adultes peuvent y passer, là, des autour des palombes, des grands-ducs. Ce genre de gros oiseaux de proie-là peuvent être des prédateurs pour vos basses-cours. Il y a également les grands hérons, moins connus, mais assez gros et assez forts pour manger, entre autres, des petits canetons, des poussins, le bec, sont capables de les avaler vraiment assez facilement. Encore là, je parle en connaissance de cause, je l'ai vu de mes yeux. Donc, les grands hérons peuvent être des prédateurs. Et, défense de rire, les wawarons. Oui, j'ai vu un wawaron essayer de manger un caneton. Vous savez, nos grosses grenouilles, la plus grosse grenouille qu'on a au Québec, il avait avalé le caneton. Évidemment, il n'était pas capable de finir de l'avaler. Le caneton était trop gros, mais il l'a tué. Alors, bon, le wawaron, peut-être pas notre plus gros prédateur, mais je le mettais quand même dans la liste. Et là, il m'en manque un. Lequel il me manque? Avez-vous une idée? Le pire. Le prédateur qui a inspiré le film Prédateur. Tu sais, le prédateur sournois. Le raton laveur. Oui, le joli petit raton laveur avec son petit masque amusant, c'est le pire prédateur de votre basse-cour. Parce que le raton laveur, il fait tout. Il peut creuser très bien. Il peut grimper n'importe quelle sorte de clôture. Il peut faire également des bonds entre des obstacles, on peut dire. Il est capable de briser des choses, briser des clôtures, briser du bois. Il est capable d'ouvrir, avec ses tout petites mains, il est capable d'ouvrir des loquets et des portes. Et surtout, le raton laveur est un animal très intelligent. Il va réfléchir à ses méfaits et à comment il va pénétrer et comment il va attaquer vos animaux. C'est un prédateur qui est, par contre, nocturne. C'est un peu sa seule faiblesse. On est capable de le contrer la nuit. Mais c'est à peu près la seule chose. Il a vraiment des gros crocs, les ratons laveurs. Là, on voit peut-être les petites dents avant, mais ça a vraiment de très, très grands crocs, un raton laveur. Et aussi, ben c'est très abondant. Autant en ville qu'en campagne, il y a beaucoup de ratons laveurs. Donc, c'est vraiment le prédateur à surveiller. Si nos installations sont à l'abri des ratons laveurs, elles vont pas mal être à l'abri de tous. Il faut vraiment pas le sous-estimer, le raton. Il n'a aucune limite sur ce qu'il va faire. Donc, ce sont les prédateurs principaux de votre basse-cour. J'inclus pas votre voisin qui fait une plainte, là, c'est pas un prédateur, là, même s'il peut vous nuire, je ne l'inclus pas là-dedans. Donc, par contre, la bonne nouvelle, évidemment, quand on connaît notre ennemi, on est capable de le combattre. C'est ça qui est important. Alors, ce qu'on veut faire, c'est d'empêcher les prédateurs d'atteindre nos animaux. Évidemment, plus on va donner de liberté à nos animaux, plus il va y avoir de risques. On est tous d'accord avec ça. Donc, restreindre la liberté de nos animaux est un moyen de
de combattre la prédation. C'est pas toujours le moyen qu'on veut prendre, évidemment, parce qu'on aime voir nos poules en liberté et tout ça. Je vais me tourner un peu, je vais vous montrer mon beau cream leg bar qui fait une petite sortie. Vous le voyez-vous? J'ai le soleil, moi je le vois pas. Donc voilà, le fait de restreindre la liberté de nos poules, évidemment, ça peut aider à contrer les prédateurs. Et aussi, ça peut être juste pour une courte période de temps, là, si on sait qu'il y en a des présents. Et également d'augmenter notre surveillance. Par exemple, de sortir vos animaux seulement lorsque vous êtes dehors avec eux. Alors, ça a un effet dissuasif sur les prédateurs, là, on peut le voir, mais on s'entend, c'est très limité. Vous avez vu notre vidéo de raton de renard. Il était 12h30, on venait de rentrer pour dîner et le renard est venu. Donc, c'est vraiment une première mesure. L'autre mesure qu'on va prendre, évidemment, c'est les mesures physiques. Ce qui m'amène à vous montrer donc ce poulailler-là. Il faut que votre installation soit un bunker anti-raton. Si vous êtes anti-raton, vous êtes anti-tout. Tout d'abord, ce qui est important, c'est de bien investir dans la qualité de vos matériaux. Et ça, il faut y penser évidemment lorsqu'on est en train de construire le poulailler. C'est pas le temps d'acheter, vous savez, le petit poulailler qui vient en spécial à une quincaillerie que je nommerai pas, qui vend des trucs agricoles, là. Il vend ça comme 300$, là, mais vous en avez pour votre argent. Donc, on veut pas y aller avec des petits matériaux. D'abord, le grillage. Yo, mon grillage. Le grillage, qu'on appelle du grillage à poule. Ça le dit, c'est du grillage à poule. Ce n'est pas du grillage à raton. on oublie ça. Le petit grillage à poule, qui est comme le petit modèle un peu tressé en losange, là, c'est pas durable et le raton est capable de passer au travers. Un chien peut le défoncer. Donc, oubliez le grillage à poule. Allez-y avec ce qu'on appelle le grillage soudé. Ici, c'est du 1 pouce. Pour encore plus de sécurité, vous pouvez y aller avec du demi-pouce. Donc, vous êtes sûr qu'une belette ne va pas passer. Donc, vraiment, le grillage, on y va avec du grillage soudé, rigide. Ça vaut la peine d'investir dans votre grillage. Ensuite, tout ce qui est bois. Donc, ici, bon, le toit est en bardeau, mais vous voyez, toute ma structure est en 2x3 ou en 2x2. Donc, on n'y va pas avec le bois le moins cher. On n'y va pas avec la planche de récup qui a cassé, qui va avoir des faiblesses. Et oui, on est super récup, mais il faut être logique. T'sais, exemple, vous avez des palettes. Cette cabane-là, la base, c'est une caisse de bois pour le transport. Le bois est en super de bon état, donc on y va avec ça. Mais on n'y va pas avec, on n'essaie pas de cheaper, en guillemets, sur les matériaux. Allez-y vraiment avec des matériaux qui vont être solides maintenant, mais qui vont être également solides dans le temps. Parce que si, exemple, bon, ma planche ici, mon morceau de bois ici, a une petite faiblesse, à la longue, il pourrit. À un moment donné, le raton laveur, le répétateur va arriver, puis oh, clac, il va casser mon morceau de bois parce qu'il va être pourri. Donc, il faut y aller avec cette... avec l'optique d'acheter des matériaux qui sont durables. Ensuite, donc pensez au sol et à la fondation. Je vais vous montrer ici. On voit-tu? Donc, vous voyez, mon grillage se poursuit au niveau du sol. Il y a beaucoup de prédateurs, comme on disait tantôt, les ratons laveurs, et il y a beaucoup d'autres prédateurs, comme les moufettes et tout ça, qui peuvent creuser. Alors, on va essayer de les... de le rendre la vie un peu plus difficile s'il creuse. Donc, vous avez votre grillage et poursuivez-le au niveau du sol. Vous pouvez carrément l'enterrer si c'est un poulailler qui ne bougera pas. Donc, creusez une tranchée et enterrez votre grillage dans le sol. Sinon, simplement lui faire un 90 degrés et avec le temps, il faut mettre quelques piquets. Et avec le temps, le gazon et la végétation vont venir le tenir. Et ça va empêcher que si un animal creuse, disons sur un 8 à 10 pouces de large, bien, ça va empêcher le raton, les animaux de creuser. Et ça ici, dans ce cas-ci, bien, c'est une cabane mobile. Alors le grillage est simplement déposé au sol, mais déjà ça fait quand même une différence. Et cette cabane-là, bien, la nuit, je ne donne pas accès à ce grillage-là, je ferme la deuxième porte. Alors, il y a ça. Donc, pensez à votre sol-là et également à la fondation de votre poulailler. Dans ça, de cette cabane-ci, elle a un plancher. Donc, ça a l'avantage d'abord que ça... coupe l'humidité et également pour les prédateurs, ils ne peuvent pas passer par en dessous. Si vous avez un grand poulailler directement sur la terre battue, les moufettes, les ratons laveurs, les renards peuvent éventuellement se creuser un chemin. Peut-être pas une journée, mais si vous ne voyez pas, exemple, par en arrière, bien, ils creusent, et monnaie, oups, ils débarquent dans votre poulailler. Donc, si vous avez un gros poulailler, pensez peut-être à mettre des blocs de béton ou encore là, ça peut être un grillage qui est enterré pour dissuader les animaux de passer par en dessous. Il faut également les dissuader de passer par au-dessus. Sur cet enclos-là, ici, donc sur le dessus, j'ai un grillage. Ici, j'ai un toit, oui, en bardeau, mais en dessous, j'ai également une planche. Parce que si j'étais seulement en bardeau, ben, ça peut
le pardeau peut lever, etc. Et moi, j'ai vu, entre autres, du treillis à jardin qui a été cassé. Donc, le toit est aussi important que les murs et que les côtés. Je vous l'ai dit, ça prend un bunker. Il ne faut pas qu'il y ait de faiblesse. Ici, j'ai une petite fenêtre décorative avec un petit dessin. Il y a un grillage dans cette fenêtre-là, encore là, parce qu'une belette pourrait rentrer par la petite fenêtre. Donc, du top au-dessus, il faut vraiment que ça se referme vraiment complètement. Ensuite, ça, c'est ma pintade qui est partie, là, à crier. Donc, ensuite, cette cabane-là aura évidemment des portes. Des portes qu'il faut barrer. Et ça doit être barré à l'abri des ratons. J'ai dit tantôt, les ratons, ils ont des petites mains. Ils peuvent ouvrir les choses. Alors, on y va toujours avec une double protection. Allez-y pas juste avec le petit, vous savez, un petit morceau de bois avec un clou qui flippe, là. Trop facile pour un raton. On va y rendre la vie compliquée aux ratons. Une bonne chose pour rendre la vie compliquée aux ratons, les mousquetons. À ma connaissance, les ratons ne passent pas à travers les mousquetons. Il y a quand même des étapes, donc ici comme ça. Et il y a des modèles encore plus durs avec un petit une petite vis, on peut dire, qui barre le mousqueton. Donc, on met exemple, vous savez, bon, les loquets, il y a un crochet, on rentre ça là et on met notre mousqueton. Si vous avez le modèle de barrure comme ça, il y a un crochet qui vient accrocher un petit bouton. Il y a toujours un trou pour mettre justement un cadenas ou quelque chose. Mettez un mousqueton. Sinon, bricolez une tige de métal que vous venez entourer autour de votre poignée. Donc, pas juste une poignée qui peut ouvrir. Si vos enfants sont capables d'ouvrir la poignée, le raton laveur va être capable. Donc, vraiment, dans vos loquets, vos barrures, allez-y avec toujours une double protection. Et tantôt, je parlais qualité des matériaux. Ça, c'est un mousqueton de la quincaillerie qui coûte environ 4 $, qui est stainless ou peut-être en zinc, quelque chose comme ça. Et ça, c'est un mousqueton à 4 pour 1 $ du magasin 1 $, justement. Je sais que celui-là, si je le laisse dehors, dans 3 mois, il va être rouillé. Donc, faiblesse, donc possibilité de prédateur. Tandis que celui-là, dans 10 ans, il va être encore là. Alors, encore là, je parlais investir dans vos matériaux. C'est dans les petits détails, donc investissez aussi dans vos loquets. Donc, vraiment, des loquets de qualité, double protection qui rend des choses compliquées aux petites mains du raton. Ensuite, il y a d'autres mesures qui sont un peu complémentaires à votre bunker. D'abord, il y a l'éclairage. La semaine passée, je parlais des coqs. Je disais qu'il y a certains coqs qui vont se réveiller la nuit parce qu'il y a trop d'éclairage. Mais ça peut aussi, l'éclairage, empêcher, dissuader un peu les animaux nocturnes de venir. Si la moufette, elle n'aime pas la lumière puis qu'il y en a beaucoup, bien, ça se peut qu'elle se retire à l'extérieur oui. Geneviève nous dit que ses enfants sont capables d'ouvrir les mousquetons. Disons, vos enfants dans le noir avec des mitaines, est-ce qu'ils sont capables d'ouvrir les mousquetons, disons? Très drôle. Donc voilà, donc l'éclairage peut avoir un effet dissuasif pour les prédateurs et également peut permettre à vos animaux de voir les prédateurs. J'ai-tu mon troupeau d'oies? Non, mes oies sont plus loin. Ici, nos oies sont vraiment complètement dehors toute l'année. Alors, il y a toujours de la lumière le long de la grange. Donc, s'ils voient une menace, un renard, quoi que ce soit, ils vont justement voir arriver cette menace-là. Alors, l'éclairage peut aider pour contrer les prédateurs. Également, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un point de fuite pour vos animaux. Donc, que ce soit de jour ou de nuit, s'il arrive quelque chose, un endroit où vos animaux peuvent se réfugier. Nous, ici, on a le lac, qui est quand même pour les aquatiques, donc c'est leur point de refuge. Ils vont tous aller sur le lac. On a beaucoup d'abris, on a beaucoup de cabanes. Les portes de la grange sont toujours ouvertes. Les animaux peuvent rentrer dans la grange. Donc, peu importe de votre grosseur d'enclos, peut-être avoir une cabane fermée. Exemple, s'il y a un oiseau de proie, puis qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, que j'avais juste mis de l'ombre de côté. S'il y a un oiseau de proie, bien, au moins un endroit que les animaux peuvent aller se cacher en dessous, ça va aider à prévenir contre les prédateurs. Donc, vraiment, un point de fuite pour vos animaux. Ensuite, bien évidemment, il y a l'effarouchement des oiseaux, qui est bien, des animaux, en fait, qui peut être utilisé. C'est, entre autres, nous, pour ça qu'on a adopté notre chien. Il y a 2 ans et demi, là, même si notre chien a peur de tout et qu'elle est assez limitée dans ses travaux, ça reste que le chien a vraiment un élément de dissuasion avec son odeur, avec son urine, avec ses aboiements. Le chien peut donc faire fuir ou dissuader les prédateurs tant que le chien ne devient pas lui-même un prédateur. Alors, c'est de trouver le bon équilibre et de choisir le bon chien pour ça. Des oies également, c'est quand même aussi des bons systèmes d'alarme contre les prédateurs. Ils vont pas faire fuir le prédateur, mais ils vont avertir la basse-cour qu'il se passe quelque chose. Et vous avertir aussi le renard, c'est comme ça qu'on l'a entendu. La pintade, que vous avez entendu,
La pintade s'est mise à crier encore plus qu'elle crie d'habitude et c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait un renard. Alors, les autres animaux plus alertes, donc, peuvent prévenir qu'il y a un prédateur. Alors, ça, c'est une façon après ça. Et ensuite, ben, vous pouvez aller les faroucher pour aider. Et ensuite, un autre point qui est super important dans la prévention des prédateurs, c'est votre constance et votre vigilance. Ça semble niaiseux, mais le raton laveur, lui, va passer toute la nuit, pas 365 jours par année, là, mais toute la nuit de toute la saison à essayer d'ouvrir votre poulailler. Lui, il a juste ça à faire. Il va venir à toutes les nuits. Et la nuit que vous aurez oublié de mettre votre mousqueton, la nuit que vous allez être parti en party et que les animaux n'auront pas été enfermés, le raton va venir. Croyez-moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui peuvent me conter des expériences ici. Les animaux vont vraiment guetter la faiblesse. Ils vont guetter le point de grillage. Il va tout, tu sais, mettons un renard, va creuser partout, 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 jusqu'à ce qu'il trouve le point où il peut rentrer. Alors, votre constance, votre vigilance est super importante pour prévenir les prédateurs. Donc, c'est vraiment les mesures. Fait que vraiment des matériaux de qualité qui sont durables, qui sont en bon état. Inspectez régulièrement vos installations aussi en chaque début de saison. Donc, un toit qui est solide, donc les murs qui sont solides, un plancher, soit avec des grillages, soit un plancher plein, les portes fermées avec des mousquetons, des doubles protections. Et les animaux, ben, quand ils sont dehors, dans la journée, évidemment, un chien ou quelque chose, une vigilance pour essayer de faire fuir les prédateurs. Donc voilà, si tout ça ne marche pas, malheureusement, parfois on ne marche pas, alors là, il faut passer à un niveau qui peut être d'éliminer le prédateur. Par contre, on ne fait pas évidemment n'importe quoi. Informez-vous, si vous avez par exemple des ratons laveurs, informez-vous auprès de votre municipalité et des agents de la faune. Informez-vous auprès de compagnies là, de contrôle de la vermine, MAE, ces trucs-là, parce que ça prend des permis, évidemment, pour certaines espèces. On ne fait pas n'importe quoi. On ne les relocalise pas n'importe où. Les gens de la ville, venez pas relocaliser vos ratons laveurs chez nous. J'en veux pas. Il y a des fermes, il y a des animaux, donc, tu sais, on fait pas n'importe quoi. Il y a ce qu'on appelle les cage-traps. Ce genre de cage comme ça, que donc on met il y a différentes grosseurs pour différents types d'animaux. On met l'appât. Ça ici, on l'a modifié pour pas que les animaux puissent aller manger des appâts avec leurs mains. Donc, on met l'animal et l'animal, on enclenche, l'animal rentre et se capture. Et ça, ça permet d'aller relocaliser les animaux. Et surtout, on évite tous les pièges mortels, les collets, les trucs empoisonnés, ces choses-là, parce qu'on sait jamais si c'est votre chat qui s'en va dans la cage puis c'était du poison à l'intérieur. Ben là, tu sais, on veut pas ça. Faut quand même rester logique. Donc, si vraiment vous avez besoin de délocaliser des prédateurs ou d'abattre des prédateurs qui sont vraiment dangereux, informez-vous vraiment au niveau des règlements. Pétade! Je vais plus loin. Donc, voilà. Dans le fond, c'est ça. Il faut garder en tête que le risque zéro des prédateurs, ça n'existe pas. Ça n'existe en rien, le risque zéro. Et il faut aussi avoir cette philosophie-là que c'est nous qui restons sur le territoire de nos prédateurs. Les ratons laveurs sont en ville parce que les gens ont rasé les forêts pour faire des villes. C'est pour ça que les ratons laveurs sont là. Ils ont trouvé de la nourriture, ils se sont peuplés. Nous, on reste dans le bois. Le renard, on reste chez lui. On est juste un stop sur sa route là, pour le renard. Alors, il faut garder en tête que les gens, on demeure sur le territoire de la faune. Alors, c'est normal. L'oiseau de proie, lui, il parcourt des centaines de kilomètres. Ça ne le dérange pas, tu sais, où est votre poulailler. Alors, ces animaux-là ont le droit d'exister. On veut juste qu'ils aillent exister plus loin et qu'ils prennent, tu sais, les perdrix sauvages comme dîner et non pas nos belles poules de race. Alors, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là entre la liberté de vos animaux, on va regarder mes petites leg bars. Entre la liberté, les poules, je vous vois pas, c'est tout. Ah, vous êtes là! On veut trouver l'équilibre entre la liberté de nos animaux et la protection de nos animaux. Donc, c'est vraiment toujours d'essayer de trouver cette balance-là. Vraiment, c'est en prenant des mesures de prévention des prédateurs qu'ils n'aient pas accès à venir à nos animaux et éventuellement le prédateur va aller, va comprendre qu'il n'a rien à manger. Ou va s'essayer jusqu'à temps que vous ayez une petite faiblesse et réessaye. Là. Donc, faut garder ça en tête. Mais vraiment, il faut trouver l'équilibre pour que ces animaux-là ben, puissent
coexister avec nous, mais sans faire de dommages, parce que oui, ils font des dommages. Ils font partie de la vie, les ratons laveurs, entre autres. Vraiment, moi, j'ai eu personnellement beaucoup de pertes à des ratons laveurs. Et toujours des petits détails. C'est vraiment le diable dans les détails, dans ces choses-là. T'sais, un renard comme ça en plein jour, c'est un peu comme une surprise, si je peux dire. Là. On a pas mal toutes les mesures en place, mais ce renard-là a quand même décidé de venir. Mais ça va être un cas isolé. C'est ce qui va faire la différence entre ça et un renard qui vient à tous les jours. Là. Donc voilà, fait que c'est vraiment de trouver... l'équilibre, prenez le temps de bien analyser qui est votre prédateur, qu'est-ce que vous avez à la maison et c'est quoi les mesures que vous pouvez mettre en place pour éviter de perdre vos animaux. J'ai mes petites lapines ici. Est-ce que vous les voyez? Mes deux petites lapines noires et blanches qui se promènent avec la pintade. Donc, évidemment, ces lapins-là, mes deux lapines ont été à l'intérieur très longtemps justement parce que j'avais le renard. Qui est revenue cette semaine, mais là, elles sont à l'extérieur. Donc, évidemment, elles sont à risque de se faire coincer. Donc, elles ont beaucoup d'abris, elles ont des choses comme ça, mais le risque demeure. Ma seule façon, ce serait vraiment de les enfermer dans un bunker. Alors, c'est de trouver pour vous l'équilibre. Qu'est-ce qui marche bien? Est-ce que vous voulez laisser plus de liberté à vos animaux ou moins de liberté? Prendre plus de risques d'avoir un raton laveur ou de vivre avec le risque? Alors, c'est vraiment ça qui est, qui en est pour les prédateurs. Donc, merci à tous d'avoir été en direct. On a été une bonne vingtaine, alors je suis très contente d'avoir vous. Et comme d'habitude, ben, les gens nous écoutent beaucoup en différé. On a toujours des centaines de vues en différé. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas et on va en commentaire et on va lui répondre plus tard. Sinon, on se revoit la semaine prochaine avec un autre sujet qui va m'être inspiré par ce qui va se passer sur notre ferme chez Élevage Vermeil. Alors, bonsoir tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!